Nostalgie. Comment pourrais-je oublier? Le reflet de tes yeux si clairs, toi la montagne qui me protège en me faisant glisser sur la neige. Comment pourrais-je t'oublier? Toi qui m'as mis dans ton soulier pour me protéger contre l'assaut des infidèles toujours en sursaut. Comment pourrais-je t'effacer au cœur du souvenir des passés? Toi l'ami fidèle de mes pensées. Oui, ma belle, je veux l'annoncer. Que pourrais-je dire à la reine? Que devrais-je faire au cœur du diable? Il faut finir toutes ces larmes. Elles restent encore dans mon âme. Elles m'écrasèrent au cœur de l'amour. Jamais il ne partira un jour. Cet amour est pour toujours. Nul ne m'enlèvera dans sa cour. Depuis 2004, par Will Claude, poète. Ça qui plus attire dans le texte, c'est strophe qui dit: comment pourrais-je t'effacer au cœur des souvenirs du passé? Toi, l'ami fidèle de mes pensées, oui, ma belle, je veux l'annoncer. L'aime définit, écrit ça, et puis ils ont regretté de mémoire qui mourut pour décembre 2020. Ça, le grand juge Patrick Pierre-Fils, qui fait un pile parcours dans la justice haïtienne. Un premier moment, il était greffé. Il était greffé dans la section nord, section sud, dans Port-au-Prince. Après ça, il était arrivé. Juge quoi des missions, juge quoi des bouquets. Il passait dans le palais de justice, première chambre civile, deuxième chambre, cour d'appel. Juste arrivé dans la cour de cassation, il était attaqué d'une maladie et il est arrivé perdu. La ville, pendant que je parle avec l'homme, pendant que je déclame texte, c'est strophe ça. Effectivement, c'était juge Patrick H. Calix Pierre-Fils qui t'a écrit strophe ça. L'élève texte, il dit nostalgie. Petit garçon, mettez ça pour moi. Comment pourrais-je t'oublier, toi qui m'as mis dans ton soulier pour me protéger contre l'assaut des infidèles toujours en sursaut. C'est vrai, je dis, hein, juge Patrick Pierre-Fils, allez, les traverser. Et m'a dit, rest in peace, bon traversé. Mais strophe ça, chaque fois que ma valise, nostalgie, là va toujours été comme un souvenir. Rest in peace, juge Patrick Pierre-Fils.